C'est samedi passé à sur initiative consulat haïtien dans Miami, grande première film tout sans ouverture et dans Little Haiti Cultural Center qui chita dans Kerti Haïti. Depuis 5h30, en pile invité à personnalité très connue dans la communauté haïtienne nan, et dans Florida, tu commencé à défiler sous tapis rouge Little Haiti Cultural Center. Dans ambiance très décontractée, invité au tap fait photo, échanger l'idée, yon a clot dans la salle d'attente là tout pendant que y a fait l'heure pour film nan te ka démarrer. Même jantou, nous te profité pour prendre impression quelques nan invité yo sur ça qui expliquait présence yo dans salle là et qui ça yo espérer d'un pareil film tout sans l'ouverture. Oh, docteur Fofan et nous croisons là dans Little Haiti Centre Culturel. Ça qui expliquait présence là après-midi. On devoir de parler de tout sans l'ouverture. Nous sommes l'ouverturien, ce qui pas fait de moins que on dessalinien, mais tout sans l'ouverture, c'est un homme de lumière, c'est un homme qui a été avant son temps, tu vois. Et moi, je prends plaisir à croire que si nous avions été à l'indépendance avec Toussaint, grand pile bagaille, en pile débord, nous ne t'en pas connaît. Encore faut-il que nous disions tout que on joue en plus en esclavage. C'est un bagaille terrible pour nous. However, nous avons un meilleur futur si nous étions entrés avec Toussaint. Avec l'idée de Toussaint, l'esprit et le concept de Toussaint de la liberté. Qui sont attendus là à partir de Movie ça qui parle pour qui sont attendus de Movie? On a dit non seulement pour l'histoire haïtienne, mais pour l'histoire mondiale. Parce que grâce à Toussaint et à Dessalines, le panaméricanisme est né d'Haïti. C'est-à-dire que tout le monde qui était besoin libre, quel que soit côté où tu es sorti, où tu es vivant en Haïti. Et pour être calibre, quel que soit noir là. Ouais. Et ensuite, nous avons exporté la révolution. Hein. Nous avons aidé les gens, par exemple, au Venezuela, avec Simon Bolivar. Vous comprenez? Donc, il y a un impact mondial. Les gens vont de par le monde, par millions chaque année, visiter la cellule où Toussaint était détenu dans les montagnes du Jura, en France. Donc, c'est un bagage extraordinaire. Je pense que ça, le film non, m'anticipe beaucoup. Je ne lis rien sur lui. Mais m'imagine que ça, je dis à son moment qui t'amène à une certaine réflexion, qui t'amène à revisiter le concept, l'esprit de Toussaint Louverture. Où papa dit que nous allons mettre encore le caporalisme agraire. Mais il faut que Haïtiens connaissent pour une sortie dans sa nouille là, il nous faut travailler 24 heures par jour, 3 chiffres. Chaque jour, 24 heures par jour pour nous prendre avance pour d'ici 25 ans. Donc, le Premier ministre Lamotte voulait que nous commençons à sortir dans la modernité, ouais, que nous sommes capables de sortir là-dedans, mais il faut nous travailler, travailler dur et nous faire. Parce que moi, le monde félicite. Nous avons profité de faire un petit causer avec un grand acteur haïtien international, Jimmy Jean-Louis, qui t'a expliqué non fierté, actif de préparation, il était obligé de faire pour le TK interpréter grand rôle ça, qui c'est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est la grande première présentation de Toussaint Louverture que vous-même vous incarnez. Ça représente pour Toussaint Louverture. Pour moi, Toussaint Louverture, c'est un des plus gros héros qui existait. L'homme qui a donné l'indépendance à la première République noire. Donc voilà, sa fierté que c'est quand même interprété rôle Toussaint Louverture pour montrer la quelques diaspora haïtienne que nous gagnons bon ici là. Qui ça qui t'a inspiré avec un tel movie? Moi-même c'est offrir mon rôle là. Vous connaissez au film que ça fait très très longtemps que APC est fait et finalement il y a un groupe de producteurs qui réussit faire. Donc Léo approche pour dire que c'est moi-même qui t'a amené jouer rôle Toussaint Louverture là. C'est sûr que c'est avec beaucoup de fierté que je te dis oui. Je connais qu'il y a l'autre monde qui a toujours essayé de faire. Il y a Danny Glover qui a essayé de faire film par l'entour. Et Danny Glover est venu voir film ça. D'ailleurs, il est très très content de résultat. Comment vous même vous êtes senti le yote fort proposition ça et là où même toi incarné et personnage ça à travers mon vie, comment on sent tout? Parce que c'est une lourde responsabilité quand même. Oui, c'est une lourde responsabilité, mais de l'autre côté, moi, je prends avec poids que le potéant, dans le sens que c'est la première fois que nous faisons un film sur Toussaint Louverture. Donc c'est la première fiction qui vient sur Toussaint Louverture. Donc moi, très conscient qu'à partir de maintenant, peut-être que grand pile monde qui peut identifier visage Toussaint Louverture avec visage PAM. Donc c'est pour ça que je me suis fait le plus que possible pour me faire un meilleur résultat que possible.
Donc pendant à peu près 8 mois de ma vie, je me consacrais pour tout Saint Louverture. Pour recherche que me fait sous lit, travail physique que me fait avec personnage là, faut me apprendre monter cheval, apprendre manier sabre, apprendre monter calèche, tout bagaille ça yo. Et puis aussi rentrer dans l'histoire Toussaint, qui était un esclave, qui vient affranchi, qui vient général, puis gouverneur. Donc pour moi aussi, c'est une richesse qu'il était venu porter pour moi en termes de connaissances. Alors dis-nous là, ça prend à peu près 8 mois pour essayer faire recherche, adapter avec un personnage là. Mais c'est-à-dire que Movie ça a shooté dans différents endroits et comment l'expérience santé en soi? Oui, nous tournons en France, à Paris, dans le sud de la France aussi, et puis en Martinique. Malheureusement, nous pas de cap venir en Haïti pour nous tourner toute partie haïtienne yo, mais mes expériences ont été très très bien, très très difficile parce que c'est un film d'époque lié, donc un costume qui est très très lourd, alors que c'était en période d'été avec perruque, maquillage aussi qui est assez conséquent. En plus de ça, avec un langage qui est plutôt un vieux langage, donc c'est pas un langage parlé que lié, donc tu as en pile difficulté qui te vienne sur capable jouer personnage là. Alors un projet comme ça qui vient tourner réalité journée aujourd'hui hein, puisque c'est la grande première que nous pourrons louer dans quelques minutes, et qui prochaine étape jeudi à cette Toussaint Louverture, Jimmy Jean-Louis est incarné, et qui prochaine étape, qui ça nous a fait, qui ça nous espérer au fait pour moi de côté PAM. Oui. Bon, bah connait pour l'instant, c'est vrai que destin fait me faire un pile sujet qui connectait directement avec Haïti, que ce soit l'haïtien dans Heroes et maintenant Toussaint Louverture. Gain l'autre projet encore cap dessiner dans le futur, beaucoup compte qui ça veut, mais quoi qu'il arrive, m'a préparé pour toute obligation que me capable venir joindre pour me capable mieux représenter Haïti, et ça c'est dans le monde entier. Un message pour la jeunesse haïtienne? La jeunesse haïtienne, faut tenir bon, parce que c'est peut-être pas facile maintenant, mais ça le deviendra un petit peu plus dans le futur, parce que nous travaillons tous pour un meilleur Haïti. À 7h exactement, film n'a pas démarré avec des propos de remerciement et présentation tout le monde qui était rendu un film ça possible. N'a pas vite écouté, yon après l'autre, deuxième consul Guy François et premier consul dans Miami François Guillaume II avec Jimmy Jean-Louis. And I would like to thank everyone for coming here tonight, and as we all know, is the grand premiere of a hero, of the Haitian hero Toussaint Louverture, and we have Jimmy Jean-Louis. I know he has a very, very busy schedule, and I would like to thank you for coming, and you know, and especially this busy weekend. And also, I would like to thank the people who also helped us, because we had a long day today. My name is François Guillaume II, Consul General d'Haïti, à Miami. I want to thank each and every single one of you for being here, as this is an instrumental manifestation of the richness of our culture. I want to especially thank Mr. Jimmy Jean-Louis, who made the trip specially for this to be with us tonight, as he will be leaving tomorrow to walk us through this presentation and to be with us. His presence here is a testimony of how important this diaspora section of Haitians living outside is important. I want to thank you again, Mr. Jolie, for being here. This is a special night for us. I would be remiss if I didn't again thank and congratulate Guy François Junior for helping put this together along with Nadia. He has been working ever since we started working together in consulate, and we give ourselves the vision to put in the forefront the culture of Haiti, the beauty of Haiti, and everything that Haiti has to represent in the highest level. He has been running and not stopping, and I'm asking you to not keep running and not stop running and keep doing it, because we need to show everybody at what level we can operate. We need to show the beauty of our culture. Well, it's an honor to be here and to give you this movie, Toussaint Louverture. It's a special screening, you know, it's just a few of you guys, because it has been the wish of Guy just to select a few. So I'm happy to see you here. But
At the same time, we're going to fly back into our own history, where we're going to see that Haiti used to be one of the greatest countries in the entire world. Toussaint Louverture is probably one of the greatest heroes that we have. Not just Haitian, not just black, but one of the greatest. It's a long movie in two parts. The first part will finish and then we'll have a 10-minute break. And then we'll come back for the better side of the two movies. After that, we can have a little dialogue, Q&A, and then we can be a little bit more intimate. All right, so for the time being, please enjoy the movie and be blessed. Mais ou même personnellement qui travaille corps et âme pour la réalisation projet ça, comment sentez-vous? Est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction? Comment ça est? Alors nous travaillons d'arrache-pied vraiment pour nous assurer que notre vie est faite dans le Little Haiti Cultural Center pour une pile raison. Parce que c'est pour nous lier, faut que nous utilisions. Alors consulat général d'Haïti, le temps de me faire une vie en vin jouer ici, c'est tout normal pour vice-consul Guy François. Te di men pres HPR an nou fè l'ensemble. Voilà que nous mettez tête ensemble. Mon contacté Jimmy dit c'est bon, li bon producteur, moi le producteur, nous parler, nous gérer le pou te ka fête spécialement dans fin mois de la culture haïtienne. Quel objectif nous te visé à travers un projet pareil? Bon, faire moun wè movie hein, c'est important parce que son movie te gen pile controversie des doul. Trouver que Danny Glover style APCFL son plus gros plan pour Silver Screen là, ça c'est un saga que France LOA Prod t'a choisi Jimmy pour jouer lui, peut-être font TV movie qui 3 heures de temps. TV movie ça leur sorti en France dans télévision nationale de France, il tellement pété plafond que nous connaît font te porter le bail communauté haïtienne diaspora. Alors c'est comme ça, nous t'ai décidé faut que lui vienne joindre nous. Nous vienne avec. Alors Nadia, les fêtes là dans Little Haiti, est-ce que le camp est là? Pas du tout. M'fin diyo, li pral nan tout diaspora. Hopefully New York is next. There's always Boston, there's Canada. It's going everywhere. Haitians need to see that movie. They contact comment c'est fait déjà à ce sujet? Oui, c'est ça. Network là déjà. Bouton à peser. Et tout c'est l'ouverture et que c'est ou même connecté des tâches pour démarrer avec la Dessalinienne. Comment te sentir pour en tant que ou même qui était entré de jeu dans spectacle à soir? C'est un honneur pour moi de chanter pour le pays parce que le pays mérite ça, pays mérite plus que ça. Le nous venons là, nous célébrions, capable de nous honorer un grand acteur comme Jimmy Jean-Louis. Et ce n'est pas seulement ça pour nous tabaler. L'argent là, il n'y a pas de suffit pour lui. Nous supposons honorer lui. Mais la Dessalinienne, pour moi, c'est un de l'olier. Chaque jour, je chante. Alors, Nadia, encore une fois, c'est compliment pour travail ça. C'est j'en dis. Pas quitter le campé, pas décourager sous lit. Mais quand même, pour le public la Cap Gado, monsieur que qu'on y a tout à gagner des efforts pour mon vie à projeter dans différents salles de théâtre en Haïti. Et second, un message direct. C'est que ça le taille. Bon, message moyen, c'est que pour les gens qui partent où elle en Haïti, le que Jimmy te descend avec lui, et avec l'aide du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et surtout, Zami Moué, Merlin Joseph, qui vraiment te lancer balle là. OK? Là pour rejouer quand même en Haïti on l'autre fois, mais nous t'a vraiment aimé que le movie ça rejoue en Haïti que Mounio vraiment font rassemblement parce que c'est pour un fundraiser pour qu'on l'autre movie theater dans Port-au-Prince. Mon connait gien dans province mais Port-au-Prince perdu en côté pour mon Chita Gadon un bouquin comme ça. OK? On dernier bagage moi voulais dire pour moun ki en Haïti, sou gen ti moun, ti mesdames, jeune ti moun, l'école de 18 à 26 ans, n'ap vin fè Miss Haïti univers. Ça me connaît. Connaît fòm plogèl. N'ap vin fè Miss Haïti univers encore et cette fois-ci bien préparé. Alors, j'attends les jeunes filles de 18 à 26 ans, contactez-moi sous pressage PR à commercial@googlemail.com. Pressage PR à commercial gmail.com ou bien Google Nadia après ça je vais me joindre somehow et n'a potel pour en Haïti n'a pral dire dans radio et dans télévision qui gens pour venir faire participation dans Miss Haïti univers à travers le pays.
Toussaint l'ouverture, un film qui fait fierté haïtien. Un film qui est réalisé en français avec sous-titre en anglais. Ça veut dire qu'il a passé dans n'importe qui salle cinéma à travers le monde. Un film qui aide l'autre nation à gagner une image positive avec une autre vision de Haïti chérinois, un Haïti qui tout bon vrai a décollé ou bien qui déjà en route pour décoller. C'était depuis Miami, Joël Dalzon pour la télévision nationale d'Haïti et caméra et montage Pierre-Jean Moïse.